Les gars, si vous êtes gabonais, je viens juste de regarder la vidéo de Zach Mokassa. Discours catastrophique du président gabonais. Les gars, je suis gabonaise. L'histoire dont le président parle par rapport à la SEG, les compteurs trafiqués, volés, tu pars à la SEG, tu pars commander un compteur, on vient te l'installer, ils viennent l'enlever après et te disent que le compteur n'existe pas et après on te demande de payer 1 million. J'ai exactement le même problème au Gabon. Ils m'ont fait exactement la même chose. OK? Ils m'ont fait la même chose avec le compteur Edan. Ils m'ont fait la même chose avec le compteur d'eau. Ils sont venus installer. Déjà, tu payes 500 et quelques, OK? Pour avoir un compteur, comme le président disait, qui coûte 120 000. Et ensuite, ils viennent t'arracher le compteur. Ils viennent prendre le compteur quand t'es pas là. Ils viennent l'arracher. Et après, ils te demandent de venir payer 1 500 000. Ils te disent, quand tu pars, ils te disent que le compteur n'existe pas. De grands voleurs. Hein. Je suis vachement contente que le président est en train de frapper sur la table et que tous ces voleurs-là soient ou renvoyés ou alors qu'ils fassent leur travail enfin. Donc, si vous êtes gabonais, j'ai envoyé mon neveu pour aller regarder, pour voir un peu ce qui se passe là, pour qu'on me rende mes compteurs et qu'on m'essuie ces ardoises de d'argent frauduleux. En tout cas, bravo au président. Bravo au président. D'avoir mis ça en place. Allez voir la vidéo de Zach Mokassa ou peut-être que si vous êtes au pays, vous avez accès à ces informations-là directement. En tout cas, moi, je suis vachement contente d'avoir vu ça parce que je suis apolitique, je regarde pas souvent les news ou quoi que ce soit, mais je suis quand même un peu de loin ce qui se passe au pays. Et ouais, je suis trop contente au moins pour ça. J'espère qu'il va vraiment appliquer ça et que tous ces gars-là vont être viré, ok, et que voilà qu'on rétablisse l'ordre. Hein. On parle de la corruption. Je pense que le Gabonais a inventé la corruption. En tout cas, bravo, bravo au président. Je sais, il y a des gens qui vont dire ça, ça, ça. C'est mieux. En tout cas, ce qu'il est en train de faire là, c'est 10 000 fois mieux que ce qui s'est passé avant. Ok, donc au moins il fait bouger un peu les choses. Voilà. Et regardons les actions positives qui sont faites. Regardez les changements qu'il est en train de faire. En tout cas. Moi, je suis vachement content. Il faut que j'aille au pays, là, OK? Pour aller me bagarrer, pour qu'on me rende mes compteurs et qu'on m'essuie l'ardoise des voleurs de la SCG, là. Calmons-nous, calmons-nous, calmons-nous. Je suis trop fière que, enfin, les choses rentrent un peu dans l'ordre, hein, OK? Depuis qu'on a eu un président qui frappe sur la table comme ça et met vraiment les gens au pas, OK? J'espère qu'il va rester là pendant un moment, au moins. Ok, le temps de redresser un peu les Gabonais là. Parce que les escroqueries en Afrique là, il est temps que ça s'arrête, en tout cas. Bon, moi aussi, il faut que je me calme un peu. Au revoir.